Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 15 novembre 2021, direction l'hippodrome de Bordeaux pour le prix Sauternes Cup, quatrième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs d'âge en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce Quintet Plus provincial disputé sur une piste bordelaise à main droite et plus particulièrement sur le parcours des 2650 mètres, tous ne s'élanceront pas du même échelon de départ. En effet, les 10 plus riches auront une avance de 25 mètres sur 6 argentés qui devront rapidement rendre la distance pour espérer jouer les premiers rôles. Notons que l'allocation totale sera de 32 000 euros et que nous devrions assister à une très belle bataille. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Dreamshot. Ce pensionnaire de la très en forme écurie de Fabrice Soulois sera piloté par un Yann Lorrain, espérant remporter son quintet plus. Déféré des 4 pieds et bien engagé au premier échelon, c'est logiquement la base de l'épreuve. En deuxième choix, le numéro 15, Félix Dubourg. Il est présenté par un Bruno Marie l'aimant extrêmement bien et trouvant que sa régularité mériterait d'être récompensée. Deuxième plus riche du lot, il mériterait tout simplement de l'emporter. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Festif Charmant. Thierry Ravjo effectue le déplacement avec des ambitions et ce cheval restant sur deux cinquièmes places peut espérer cette fois-ci monter sur le podium. En quatrième position viendra le numéro 3, Falcon d'Orville. Lorsqu'Emmanuel Varin fait appel au service de Mathieu Abrivard, ce n'est généralement pas pour faire de la figuration et cela devrait se confirmer aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Donafil. Gabi Gelormini est aux commandes de cette femelle de 8 ans, fille d'Orlando Vichy, qui donne toujours le meilleur d'elle-même, et en valeur pure, elle peut largement espérer terminer à l'une des 5 premières places. Au 6e rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Écureuil Phil. Anthony Barrier est aux commandes de ce cheval qui vient de terminer 2e autre montée et qui revient à l'attelage avec de hautes ambitions. En avant-dernier choix, le numéro 2, Forza DJ. Déféré des 4 pieds, restant sur une victoire et bien engagé au premier échelon de départ, il aura logiquement de nombreux fans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Foule du Langy. Éric Côte-Bert est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Prost et comme il a une main exceptionnelle dans le sud-ouest de la France, il convient logiquement de lui accorder crédit. En cas de non partant, le numéro 8, Enivrante, piloté par un certain Frédéric Clausier, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection visent une nouvelle fois juste en indiquant le tiercé, le quarté, le quinté plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.